Salut, il est 9h51. J'ai rendez-vous à 10h30, donc ça me laisse un petit peu de temps. Et après, je file. Pour le coiffeur, je vais m'avancer rapidos sur le vlog. Et ouais, c'est un petit peu le rush, mes amis. Voilà, donc on va continuer la journée ensemble. Cette coiffure. Je vais réussir à être en retard, il est 10h15. J'ai reçu ça ce matin, mais je sais ce que c'est la box évidence, donc à voir si j'ai le temps. Je la tourne aujourd'hui, mais pas sûr. Cette capuche est pénible en fait. Elle tombe trop. Bonjour. J'ai pris mon livre cette fois-ci. Je prends jamais. En plus, c'est un pavé. Hyper discret, mais je sais pas où le mettre. Comme à chaque fois, c'est long. Et puis, regarder des vidéos, bon, j'entends rien, j'ai pas pris mon casque. Je me suis dit que c'était. Ouais, c'était bien. Je suis jamais très satisfaite quand je sors du coiffeur parce qu'ils sont tout gonflés et tout bizarres. Mais au niveau de la. J'allais dire la couleur, mais non, c'est pas une couleur, c'est juste des petites mèches. De façon à. Mais juste des mèches là, parce que sinon ça les abîmerait. Ils sont pas étendus, ces deux mèches de là. Là, il n'y a rien, elle n'a pas touché au niveau de la longueur. Et apparemment, ils auraient bien poussé, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Mais voilà, et ils sont de belle qualité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop souffert avec les extensions. Ça, c'est bien aussi. Je mange et après je me remets au taf parce que le vlog il va pas se monter tout seul. Bah non. Je vais me faire le pavé, la champignon que j'ai mangé hier d'ailleurs. Que j'aime pas trop mais bon je vais le finir quand même. Et puis je vais me rajouter un petit peu de chavreau. Je le vois derrière. Tchut, qui veut piquer mon assiette? Une assiette tout en un. Entrée, plat, dessert. Faut pas que j'oublie ça aussi. On se retrouve. Je me suis un peu changée là. J'ai eu le temps de faire le montage. J'avais complètement zappé, mais on a la petite box à présenter. C'est pour ça que j'ai mis ce pull. Je vais le faire maintenant. Voilà, et puis ce serait une bonne chose de faite, je pense. Je la reçois, je la tourne. Finito, le tournage. Je vais regarder ce que j'ai tourné. Après, je fais les close-up. Il sera bien. Je vais me faire une petite pause. Je prends celui-là. Je l'ai pas trop goûté, je crois, celui-là, mandarine, blablabla. Et ça, des petites graines. Eric est parti. Il est parti à déchetterie. Oh non, bébé. Il est parti à déchetterie. J'ai pas été avec lui. Bah non, j'ai trop de boulot. C'est franchement hyper bon. Très épais, velouté, comme j'aime. Et on a la petite pointe de gingembre qui est très agréable. C'est bon, j'ai plus un goût. On l'associe avec ça. C'est vrai que j'aurais préféré quand même me prendre. Petit gâteau, un petit truc comme ça, mais on va calmer le jeu. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas l'éclatant non plus. Mm. Ça vous le fait, vous aussi, quand vous n'avez pas votre quota de sucrerie, mais parce que ça, c'est sucré, mais bon, vous avez compris, de la sucrerie genre gâteau, chocolat. Et ben moi, ça me frustre. Il y a un manque. Et ça, il faut réussir à se détacher de ça. Je pense qu'il faut le faire progressivement. Je l'avais fait, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me connaissent depuis peu, j'avais fait pendant 3 mois. J'avais arrêté, mais j'avais complètement arrêté le sucre. C'est pas bien. C'est pas bien, en tout cas, du jour au lendemain. Ça a marché, hein, en tout cas, sur le visuel de mon corps, tout ça. Mais à un moment donné, c'est chaud quand même. C'est chaud. Il a fait du rangement du trip pour justement la déchetterie et il m'a ressorti ça. Il fait, tu peux venir voir 2 minutes? Il me dit, on jette. C'est un rouleau, vous savez, pour faire le dos, des massages. C'est pas le moment pour moi d'utiliser ça, mais bien sûr que je le garde. Et aussi, regardez-moi ça. J'avais totalement oublié de le présenter sur la chaîne des box parce que c'est la box, la line box, c'est un produit lifestyle. Et je crois que c'est la box de novembre en fait. Donc bah, j'avais laissé tomber et bah, je vous la montre ici. On a, c'était un bijou de la marque bah, Odyssey dans un ravissant pochon comme ça. Ça a un côté, je trouve, vintage. Vous savez combien il coûte ? 99 euros. Si, si. Si vous allez bien voir, c'est gravé. Et oui, c'est une pièce qui coûte ce prix-là. Alors moi, c'est pas un bijou que je vais mettre. Parce que c'est pas mon style. Déjà, je porte pas énormément de bijoux. Mais bon, c'est une pièce qui, je pense, peut plaire. Je vais voir ce que je vais en faire. Si je vais voir. Je vais voir. Autre chose, il faut que je pense. J'ai pas mal de trucs à vendre.
Il faut que je m'occupe de ça pour le Vinted que ma maman elle gère. J'ai des choses à vendre et notamment il faut que je mette le rouge à lèvres que j'ai eu à Noël. Je sais pas si on vend les rouges à lèvres parce qu'il est neuf. C'est le Huda Beauty, me semble-t-il, que j'ai en double, qui est neuf, donc j'en ai deux. Il y a tout et parce qu'il coûte quand même plus de 30, il coûte une trentaine d'euros. Je vais voir, il y a, puis j'ai, ouais, j'ai plein de trucs. J'ai vu qu'en plus Vinted avait ouvert à la déco. Est-ce que vous êtes au courant? C'est-à-dire qu'on peut vendre de la déco. J'en ai plein, plein, plein. Alors peut-être pas des grosses pièces parce que forcément, même pour l'envoi, je sais pas. Il faut que je regarde mieux, mais il faut surtout que je me trie tout, tout, tout. Et ça va prendre du temps, je pense. On a un bébé chat qui fait son charmeur. Oh oui, tu bailles et puis tu parles en même temps. Je comprends pas, moi. Vous voyez, ah non, j'ai dit Huda Beauty, mais pas du tout, c'est le Charlotte Tilbury. Dance Floor Princess, il est trop beau. Focus, s'il te plaît, il est comme ceci. Attendez, je l'ouvre. C'est un magnifique nude, quoi, légèrement rosé. Tout ce que j'aime, mais bon, encore une fois, je l'ai déjà regardé en plus. Est-ce que vous allez voir, voilà, le petit logo lèvres, c'est hyper beau. Bref, bah il est tout neuf. On s'est pas vu beaucoup aujourd'hui. Bah non, parce que j'ai... Ça a été au fait, la déchetterie? Ah non, parce que je me suis très mal réveillée. Oui, j'ai une migraine ophtalmique. Ah merde. Avec une aura. Non. Si. Mais ça, il faut que tu... C'est-à-dire, t'avais quoi? Un signe visuel? Ouais, j'avais... Maintenant, je sais ce que c'est. Le kaléidoscope? Ouais, je l'ai dans les yeux. Tu l'as encore? Ah non, mais c'est pas possible. C'est une... Avec aura, c'est 30 minutes maximum. T'aimes bien ou pas, toi? De quoi? Bah, ma nouvelle coupe. J'ai fait juste les, comment ça s'appelle là, les mèches, ouais. Et après c'est une patine. C'est comme une couleur, mais c'est juste une patine que tu mets sur l'ensemble. Le problème des gens, la plupart du temps, c'est qu'ils pensent leur coiffure par rapport à simplement le haut de leur tête. C'est-à-dire qu'ils ne, eux, quand ils pensent en coiffure, ils n'imaginent que... Attention, c'est un pro... Faux. Pensez non pas tête, mais silhouette. Je ne parle pas de là, je parle des cheveux ici, moi j'adore. Non, mais toi, ce qui ne te va pas, je vais te dire. Les gens, ils voient ta tête, les gens, au moment où je parle? Vous voyez ma tête, je pense que oui. Oui. Bon, ben, au moment où tu parles, oui. il y a un truc qui ne va pas du tout. Et les gens pourront témoigner. Hum. C'est que tu as des lunettes et une frange. On ne fait pas lunettes et frange. On fait frange alors, ou lunettes. Lunettes, je ne peux pas les enlever. Et frange non plus. Donc, non, mais comment fait-on? C'est mieux, on met ton visage. Bonsoir, mais c'est horrible sans frange. Non, mais on ne demande pas ton point de vue. Tu n'as pas de goût, je le goût. Hey, j'ai encore bien fait de te demander ton avis. Non, il est trop tard pour goûter. Juste, demain midi, je ne mange pas avec toi. Je suis invitée avec trois copines. Elles veulent qu'on aille. Alors j'aurais dit c'est en fonction de l'avancée de mon taf, mais on va les manger toutes les quatre du coup. Au Buffalo, je crois. Ben non, mais c'est pas sûr, c'est en fonction de l'avancée. Mais voilà, demain midi, on n'est pas ensemble. D'accord. Au fait, vendredi midi. Quoi? Et on sort en plus samedi. Vendredi midi, tu sais. Vendredi midi, je suis pas là. C'est pas grave. Je vais déjeuner avec des copines aussi. J'ai pas dit avec des copains, j'ai dit avec des copines déjà. Oh, ça va. Bon, on va être à ta frange. Alors, par exemple, si tu fais un balayer sur ta frange, je me permets, ça, petit balayer, ça suffit largement déjà pour égayer un petit peu. Bon, là, ça tient pas, mais un peu plus moderne, quoi. Cette frange qui te cache la moitié du visage. Il regardait, il est en train de me fixer. Quoi. Ouais, parce qu'il croit que je vais toucher, je vais filer du surimi. Mais non, mais tu me balayes le visage. Tu me donnes pas du surimi. Moi, je te balaye le visage. Regarde, il s'endort en regardant sa maman. Je crois qu'il s'endort en t'écoutant plus qu'en te regardant. Ah ouais, je vais faire de l'ASMR, les amis. De plus en plus tôt, je fais à manger, moi. Je vais me faire les penne ricotta, j'adore, avec le ricotta. Et puis, c'est de la dinde à poêler, des petites tranchettes, ça a l'air super bon. Je vous pose rapidement ici. Enfin, je vous pose, non, en fait, je vous tiens. Je vais pas vous montrer hein, la cuisson des pâtes et tout ça. Je pense que vous savez plus ou moins comment ça se fait. Vous voyez, ma frange, elle est un petit peu relevée. Demain midi, je mange normalement avec des copines, mais aussi, j'ai reçu un mail. Donc, je pense recevoir demain ma commande Pretty Little, j'allais dire Liars Things. Il y a plein, plein de choses. Cette commande, je ne sais pas si je vais vous faire un versus réalité, si je vais vous faire un essayage, donc try on, si je vais l'inclure dans le vlog, mais dans tous les cas, tout
tout, que ce soit accessoires, fringues et tout, je vais les essayer, parce que c'est le but, hein, si je vous montre les fringues, autant que je vous montre comment ça se porte. Très certainement, je tournerai ça demain après-midi, après mon rencard avec les filles. C'est possible. Sinon, ça sera le lendemain. Tout ça pour vous dire qu'il y a de la vidéo à venir. Et je crois qu'il y en a une autre aussi simple. Ah, je sais plus. Oui, j'attends d'autres choses. Je vais donc clore ce vlog maintenant. Et puis, bah, vous remercier, comme à mon habitude, d'être toujours là. Et de m'encourager. Ça fait plaisir. Je vous embrasse très très fort. Salut.